جواهيلاجين إدهجع ذخلي أوريزون نزلاجين إلمند التجميد استرع إمس عبد الرحمن بوغرموح ثلادي وثن تمزيكن تيكسبوزيسيون إدي تمسلاين عفو مشوار إدي يبوي ورقزاقيا أما نقحريش السينما ناقفو من نوغينس في تمازيغ أكو دي دلس سوماثا ديما وغاهيلي دهكا ذوكري اوريزون لتتمريليين كونفيرونس ديبا اني ذا ادمسلاين اموسناون ومزقون اكو السينما غفوين اكو ادي شودن غار السينما امازيا اكو السينما الجزائريه سوماثا كومون سفيتيل ك او تياتر ايزون كان ميم كونتينيوي ليتا كونتينيوي كان ميم ا سوبفونسيوني اي ا اتر لا افيك دي افيك دي دي افيك لي دراهم كومون دي سا لي سوبفونسيون ايتاتيك ميم سيل يا كلكو بريفي كي كلكو بار فو se sont créés des petites troupes agda mais en réalité le véritable théâtre si théâtre il y a chez nous est subventionné par l'État et je sais que depuis le temps où on a commencé à privatiser les beaucoup de gens dans le théâtre ont refusé cette privatisation et pas du tout parce que ils voulaient avoir l'assistanat de l'État pas du tout. C'est parce que dans les pays qui travaillent normalement, que ce soit en France ou que ce soit à Moscou ou ailleurs, là où les théâtres sont vraiment développés, c'est l'État qui donne l'argent. C'est l'État qui subventionne. Et il me semble aussi qu'on culpabilise assez en se disant on n'est pas capable. Écoutez, hein, Davchenko et Eisenstein, lorsque Staline les a appelés pour leur dire, c'est une anecdote, leur dire, écoutez, on arrête tout le cinéma, il faut faire du vrai cinéma. Et le seul, qui est le vôtre, ils ont répondu non. Il faut qu'il y ait un terreau, il faut que les gens s'expriment, il faut qu'il y ait l'État qui donne de l'argent, même à des médiocres, mon Dieu, pourquoi pas. C'est parmi ces médiocres que
que surgiront, que jailliront les talents. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Il me semble que ce n'est pas une caste qui a le droit de faire des films, d'autres non, parce qu'ils ne sont pas bons, non. Tout le monde a le droit de faire des films, pourvu qu'ils aient des diplômes, pourvu qu'ils aient la possibilité de faire ces diplômes à travers une formation. Cinéma ou film ? Mais quand on parle de cinéma, il y a deux niveaux. On parle d'un cinéma à l'échelle industrielle, on dit qu'il y a une industrie cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a toute la chaîne pour fabriquer un film, du début jusqu'à la fin, et qu'il y a une production régulière et tout qui peut permettre de dire on a une industrie cinématographique. Ça, ça n'existe pas. Ou bien on parle de cinéma d'un pays quand il, comment dire, quand il porte, hein, quand il porte, quand il est vraiment l'expression, quand tous les films, ou si pas tous les films, mais un bon nombre de films, expriment une profondeur culturelle d'un pays. Hein, d'accord ? Je veux dire, par exemple, quand on voit les films, on parle de cinéma japonais, parce que quand on voit les films japonais, ben, on les reconnaît, au-delà des yeux bridés, eh ben, il y a une façon de filmer chez tous les grands cinéastes japonais qui est profondément imprégnée de la culture et de l'anthropologie de la société japonaise. Ça non plus, nous ne l'avons malheureusement pas non plus. Quant au problème de qualité, il est évident que parfois, ce que disait Abdelrahman, évidemment, que je partage complètement, quand on fait du cinéma, parfois, à vouloir bien faire, on atteint l'effet inverse. Je veux dire que quand on fait des choses que certains appellent des films, avec le téléphone portable ou avec des petites caméras maintenant, il suffit d'appuyer sur le bouton pour faire des images, et puis on va montrer ça comme étant des films, eh bien malheureusement, ce n'est pas toujours bon. Mieux vaut qu'il n'y ait rien, plutôt qu'il y ait des mauvaises choses qui deviennent de mauvais repères pour les jeunes générations. Et dans notre pays, malheureusement, on a atteint un stade à l'heure actuelle où les repères de fabrication de films ou de fabrication de téléfilms et tout, je veux dire, sont au ras des pâquerettes. Et quand on vient, nous, les professionnels, rappeler, on passe pour « mais non, vous êtes des ringards ». Ben, vous êtes des ringards, le cinéma maintenant, c'est autre chose. Alors que c'est du non-cinéma qui se fabrique, malheureusement. مس بالقاسم حجاج كاين غير ازول فلاك كش دار كاز السينما اكتور رياليزاتور ساكي اقراو كزلاكن عندي دلا تجميل تاع عبد الرحمن بوكرموح غادي نذكري مسلاين في عبد الرحمن بوكرموح تم جولو في تجميل يا ثوز لكن مي خدم له ماجا كاين يد بوكرموح على خاطر دا بوكرموح انسان سي ان غا كي modeste ou n'aime pas qu'on parle trop de lui. Et pourtant, Derguez dans l'envergure est grande et importante. Themzwarouth, de la génération Higgins, c'est un des meilleurs réalisateurs au Limani Unkine. À la khater de la carrière Nines, il a toujours été sous-tendu, le travail Nines a été sous-tendu par deux préoccupations majeures. Orimani Unkine en tant qu'observateur. Themzwarouth, une préoccupation de faire du cinéma et de tenter, dans les conditions de tenter de faire du bon cinéma, du cinéma professionnel. Hein? Et c'est quelqu'un qui est passé par tous les postes par lesquels passe un professionnel. Il a fait une grande école qui est l'IDEC, Mbed, il a fait des assistanats avec des grands metteurs en scène. Mbed, il a fait ses films. Fingars, c'est un cinéaste qui a toujours fait des films par rapport à des convictions profondes. Malgré le fait que de l'Orthenir, il y avait quand même parfois des orientations. Hein, et pas mal de cinéastes suivent les orientations, même si ce n'est pas des orientations mais imposées. Enfin, on suivait l'air du temps. La révolution agraire, beaucoup de gens ont fait des films sur la révolution agraire. Il y a eu des événements sur le 20e anniversaire, le ceci, le cela. Bon, c'est bien, il faut faire des films. Mais ça, il portait des choses en lui,
des choses qui avaient une importance à ses yeux, d'abord, à mon avis, de choix culturel et esthétique, et peut-être aussi de choix de liberté d'expression de manière générale. Hein. Donc, par ces deux aspects, Haguet, je trouve que c'est un grand cinéaste. D'accord ? Donc, c'est la moindre des choses de lui rendre hommage de son vivant. Et là, ce que je regrette, c'est que Athanili est un peu immobilisé à la Koulihal pour des raisons civiques. Mais c'est dommage que dans la région, et pas seulement la région, je dirais même le pays, commencez qu'on ne profite pas de la disponibilité de ces gens. Béchethaouine, dans les lycées, dans les universités, il montre ses films, il est disponible, il discute. Il transmet ces valeurs importantes dont j'ai parlé il y a un instant. تنميرت مس حجاج أد نقول السينما أمازيغ نزمر أدني دا عبد الرحمن ذوين يرزان أسالو ومبعث في الليذ كتشي إلا عزدين من الدولات يرحم ربي وما كتشي تخمض يونسارو إفاز نطاس أما شاهو أسك يعني دا عبد الرحمن يوندي في كان هات الوهي يوندي في كان السيرم يوكن يرزا سالو السينما أمازيغ Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Netzer a collé une oubliée, Zran Billy, dans ses entrailles, parce qu'il tenait Béchetekhdem Stmazir. Et donc il a tenu, il a toujours refusé de le faire autrement. Elmin et de Boudalwachtenem Shfem les années 90, avec tous les événements de 88, il y a eu une petite ouverture. Hein? Une petite ouverture, hein? Donc il a effectivement le mérite d'avoir été quand même notre aîné et qui a tenu à ce que ce projet néant qui lui tenait à cœur, c'est important, il faut quand même lui reconnaître cela. Et il a beaucoup souffert pour ce film-là. Il a beaucoup souffert parce que, vous savez, un grand film, il faut beaucoup de moyens. Il s'est lancé un peu sans avoir tous les moyens, donc il a passé une partie de son temps à ramasser de l'argent, à ramasser des trucs à droite et à gauche, au lieu de se consacrer uniquement et strictement à son travail. C'est dommage qu'un artiste puisse, pour des raisons de moyens, voilà, consacrer une partie de son temps et de son énergie à trouver des financements. Évidemment, au détriment du fait que cette énergie, ce temps ne soit pas entièrement, exclusivement consacré à la création. تروح مكتورة إيه ميد في ديها ولا تتفكاك ولا ذنك أضروح أضروح هذا سنة أضروح عر الصحراء أتن لي نيت منها شاربون دينا نغلا قيد در راثي زمريني نغلا يونو لما زينو القبل على ذي ساديني سادة إلا قاسة ذي غر تشدش قل ميلا ثوال الدمر كنتي ذي الصحراء ميلا ريوك ذي قوسة ونالا بفث ورايحين نفلسنا في درقة المدن وراهن يونا السوق اسن العيد انك راسني ملينا مكايو غالي ندير قازين اني يدا مكا راس فرخ